je m'appelle Yann, donc mon pseudonyme c'est Pac, Pac One. Moi c'est Stan, Stan c'est 29, donc Stan c'est mon nom d'artiste, S-T-A-N. Et c'est 29, c'est le nom de mon groupe. Alors dans le C29, depuis 1999, on est environ 20-25. C'est un graffiti assez complet, mais qui reste classique. C'est-à-dire, c'est vraiment le graffiti que nous, on aime. C'est un petit peu à la source, comme un petit peu aux États-Unis, des lettreurs avec, à un moment donné, un travail de fond. C'est pas juste la lettre. Il va y avoir une mise en valeur des lettrages. Une façon de populariser un petit peu le graffiti. Je travaille que la lettre, donc j'essaye de déformer les lettres pour qu'elles soient lisibles ou pas lisibles. Là c'est un Stan, donc c'est quelque chose que j'ai préparé sur papier avant. Donc on fait une esquisse, un croquis, après on revient sur le mur, on refait la même chose, on y ajoute des couleurs, et puis après on a un fond, qui est un fond commun sur toute la fresque. On essaye d'être, quand je travaille avec le crew, d'être plutôt complémentaire. Donc, mon univers est plutôt de l'ordre de l'illustration, j'essaye de venir meubler un petit peu les espaces vides autour des pièces pour essayer d'en créer une atmosphère. On a une gestuelle qu'on travaille depuis des années pour arriver à de la perfection, quoi, dans la lettre et dans tout le reste. C'est quelque chose d'assez difficile à réaliser. On n'a pas le droit de revenir par-dessus. C'est juste un geste et il faut qu'il soit parfait. Dans l'exposition, on a essayé d'aborder justement des toiles de façon travail collectif. Pas chacun fait sa toile et la ramène. L'exposition se divise en quatre parties. La première partie, on est parti sur un format identique à tout le monde. Et chaque artiste a présenté son style et son nom avec les mêmes thématiques couleurs. Donc après la préface, on aborde vraiment le thème principal de l'exposition, Cosmos 29 History. Donc c'est un travail qu'on a préféré aborder de façon pas chacun fait sa toile, mais pour le coup, chacun apporte une petite idée à l'histoire. Ensuite, il y en a un qui va faire un fond, l'autre qui va faire un personnage, l'autre qui va faire un lettrage. C'est une façon d'aborder une œuvre globale, comme on peut faire sur un mur, une fresque qu'on va faire dans la rue. Voilà la toile que je présente en travaux personnels sur l'expo. Elle est assez représentative de mon travail, en fait, de tout mon univers. Je suis vachement inspiré de tout ce qui est urbanisme, la ville, tout ça, donc, et des éléments qu'on retrouve récurrents tout le temps dans la ville, notamment la poubelle. C'est un petit peu mon objet de prédilection qu'on retrouve dans les vitrines. Donc, et au sein du cartel, moi je suis pas mal dans les décors en fait. Je vais aller sur l'arrière, les fonds, pour m'occuper un peu de l'ambiance et des décors qui vont donc combler un peu les trous entre les lettrages. Alors mon travail il est un peu plus abstrait que la plupart des autres, un peu plus illustratif. Je travaille beaucoup sur la gestuelle et donc la gestuelle de la calligraphie. Et en fait, ce qu'on peut voir là, c'est comme si c'était un tag ou un graphe poussé à son extrême, jusqu'à l'illisibilité, et tout est basé sur la gestuelle. Moi, je fais une collection de bombes depuis déjà quelques années. Donc là, j'ai mis mes petites pépites. Donc il y en a 24 sur 400 qui sont dans ma cave. Et donc voilà, c'est... Il y en a qui collectionnent des timbres, et ben, moi, je collectionne des bombes. C'est les images, c'est les années 80, c'est... les différentes typographies des bombes qui me font marrer, quoi. Donc ici, un travail perso à moi. J'ai voulu partir sur un truc très minimaliste. Donc je suis resté sur une toile noire avec une bombe noire et une explosion noire. Et une petite touche de couleur rose dans le capuchon et dans ma signature. Les gens
comprennent un petit peu mieux notre démarche. Puis, la plupart d'ailleurs s'amusent à s'intéresser, à se balader, à faire des petites promenades pour venir voir des artistes en pleine action aussi. Donc on est là vraiment pour parce qu'on a envie de mettre notre ville en avant, de montrer que Brest c'est une ville qui bouge, qu'il y a de la culture, qu'il y a une certaine liberté d'expression. Voilà, ici c'est vraiment une galerie à ciel ouvert, c'est un mur qui, au-delà d'une galerie, c'est même un atelier. Donc des jeunes qui peuvent s'y intéresser, à un moment donné, c'est un point de repère aussi pour eux. Ils peuvent venir discuter, demander comment tu fais tel trait, qu'est-ce que tu me conseilles pour évoluer, plein de questions. Voilà. On a même vu des écoles entières arriver avec leurs profs de dessin. Donc voilà, ça se popularise un petit peu, c'est sympa.